Bon, vous me reconnaissez sûrement, c'est moi, c'est Rachel Fake, comédienne. Vous m'avez déjà vu sûrement dans Titanic, Le Seigneur des Anneaux ou encore au ministère des Finances parce qu'en fait j'ai beaucoup d'amis. Alors moi j'ai eu un parcours assez atypique. En fait je suis née dans un Paris-Brest. Un train qui faisait Paris-Brest. Depuis, mon surnom, c'est Sweetie Cake. Et en fait, dès que je suis sortie du ventre de ma mère, j'ai su que je serais actrice. En fait, à ma naissance, j'ai joué les larmes spontanément. C'est-à-dire, j'avais pas spécialement envie de pleurer, mais je me suis dit que la scène était belle et qu'il fallait jouer l'émotion jusqu'au bout. Donc, je dirais que ma naissance, c'était en quelque sorte mon véritable premier rôle, ouais. Donc, ensuite, j'ai décidé d'intégrer l'Actor Studio à 12 ans. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une audition pour y entrer. Donc les gars m'ont dit, fais-moi ton meilleur monologue. Là, je leur ai répondu, le plus beau des monologues, c'est le silence. J'ai rien dit pendant 15 minutes. Au bout de la troisième minute, le jury était en larmes et ils m'ont tout de suite proposé d'intégrer l'école. En tant que propre. De prof, pardon. C'est pas facile. Pardon, je suis malade. Je leur ai dit que c'était adorable, mais que pour le moment, en fait, je préférais juste être élève. Et en quelques mois, je suis devenue major de ma promo. J'ai eu la chance de côtoyer les plus grandes. Charlize Theron, Scarlett Johansson, Kate Winslet. Bon, évidemment, ils sont tous vachement inspirés de moi. Et comme j'ai un grand cœur, j'ai laissé beaucoup de rôles à mes amis. Beaucoup de premiers rôles, j'ai laissé ma place. Parce qu'en fait, j'ai senti que leur bonheur ferait carrément le mien, en fait. Donc voilà, donc maintenant je suis de retour en France pour une toute nouvelle aventure, c'est la météo et j'adore, c'est une super expérience. Donc allez, envoyez-moi les cartes. Demain matin, le ciel sera dégagé vers la Méditerranée alors que l'on attend des nuages du côté de la Bretagne. Les températures seront de 5 degrés à Paris et Deauville et 7 degrés à Fréjus. L'après-midi, ce sera globalement la même chose et niveau température, on attend 11 degrés à Arras et 18 à Bayonne. Pas mal, hein? Pour la petite anecdote, depuis que je fais la météo, il se murmure que les chaînes concurrentes, virent leur miss. Voilà, je vous cache pas que ça me met mal à l'aise, mais affaire à suivre. Bonne soirée.